Eh bien salut les amis, c'est Carbendo et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Super Sphere Saga. Donc normalement on va aller au monde suivant, dans ce monde là d'ailleurs on a tout fini. Tout fini, mais attendez on va où là? Ah on doit aller au canton, là où il y a Wendy. Alors ça risque d'être un petit peu plus compliqué par contre. Donc niveau 14, niveau 15, alors là il y a que des ennemis au sol. Bah écoutez, s'il y a que des ennemis au sol ça me paraît pas bien compliqué hein. S'il y a que des ennemis au sol il faut avoir une équipe avec que des ennemis volants. Donc je vais me créer une équipe avec que des persos volants. C'est tout ce que j'ai de mieux là dans les volants. C'est pas ouf en fait. J'ai pas beaucoup XP les persos volants j'ai l'impression. Bon c'est pas grave, on va y aller. Parce qu'on est que niveau 12 de formation. Alors qu'ils nous recommandent quand même d'être à un niveau bien plus supérieur. Les filles, vous savez pas la dernière? Non, je ne sais pas qui vous êtes d'ailleurs. Tu parles? Bien sûr que si, tout le monde est au courant quoi. Il paraît que le royaume champignon a débarqué chez nous. Toute la clique royale quoi. Si je ne vois pas la princesse Peach, je vous préviens, je tape une crise. Ouh, tu crois qu'on pourrait se faire enlever par Bowser? Imagine le trip, quoi. Elles sont très bizarres, ces filles. Une seconde, les filles. Ne me dites pas que... Ça peut pas être. Ah, métro. Je vais me réveiller, je vais me réveiller. Qu'est-ce qu'il y a? Je peux vous aider? Ce corps robuste, ses sourcils énergiques et ses petits pieds, quoi. Pouvez-vous nous confirmer, mon bon monsieur, que vous venez du royaume champignon? C'est des fans du royaume champignon. Vous êtes un Goomba? Bah oui. Mais enfin, mesdames. Ah, j'en étais sûr. C'est un sbire, je le savais. Les tout petits qu'on aplatit. Ah, je l'ai touché, je l'ai touché. Non, mais vous gênez pas, surtout. Ça suffit comme ça. Ah, le pauvre. Et ça chatouille. Ouh, la peau douce qu'il a. On dirait une pêche, quoi. Ah, c'est un champignon. Ça suffit comme ça. Merci de respecter mon espace personnel. Je suis en train de me rendre compte quand même que le Goomba, il est en train de se faire tripoter partout. C'est un petit peu bizarre. Je peux vous sauter sur la tête? Oh, allez, quoi? Rien qu'une fois? Bah non, ça va le tuer. Oh oui, j'adore le bruit qu'ils font quand ils se ratatinent. Mon Dieu. Mais grave, ça sonne trop bien. C'est des groupies du royaume champignon. Ça suffit, j'ai dit. Salut, les garçons. Ne me dites pas que vous êtes venus jusqu'ici rien que pour moi. Maîtresse Wendy, je ne suis pas stupide, vous savez. Je suis au courant de toute l'histoire. Vous avez lâchement attaqué Iggy et Larry. À vrai dire, c'est plutôt eux qui nous ont attaqués. Tu as quelque chose à dire, Minus? Quoi qu'il en soit, vous arrivez trop tard. Ma mission touche à sa fin. Vous vous trouvez sur notre plage privée à Maître Grakowitz et moi. Le premier qui déplace, ne serait-ce qu'un grain de sable, se souviendra longtemps de sa balade en mer. Ah! Elles sont fans aussi de Wendy, bien entendu. J'hallucine, non mais c'est elle! La terreur au féminin, quoi! La seule, l'unique dame Wendy! Mais qu'est-ce qui vous prend, bande d'hystériques? Arrêtez, ça chatouille! Vous avez quel âge? C'est quoi votre signe astro? Et vous faites quelle taille? Un demi-bowser? Un quart? On dit que c'est Ludwig, le chef des terreurs, vous confirmez? N'importe quoi. Eh ben, elle lâche pas l'affaire, celle-là. Ouf, un peu de calme. Venez, suivons maîtresse Wendy, à distance. Si ça se trouve, elle a d'autres sbires sous le coude. Il vaut mieux la jouer prudente. Eh bien, c'est parti. Bon, je me fais pas trop de soucis pour ce niveau. On a deux niveaux de moins, quand même, que ce qu'il faudrait. Mais bon, on est quand même tous volants. Enfin, et on se combat contre que des persos de sol. Donc, ça risque de pas être trop compliqué. Sbire, écoutez-moi. Méfiez-vous de ces énergumènes. C'est que ça pique, ces engins. Rien qu'en les touchant, vous subirez des dégâts. Heureusement, les risques n'ont des piques que sur le dos. Autrement dit, on peut y aller de bon cœur tant qu'on ne leur saute pas dessus. Ce qui m'embête le plus, c'est ces boules de pique. Avec elles, pas moyen d'éviter les dégâts. Les dégâts subis sont peut-être légers, mais à force, ça peut peser dans la balance. Si vous ne pouvez pas éviter les piques, tâchez d'achever l'ennemi en vitesse. Ah ouais, c'est un petit peu compliqué ça alors. Ah ouais. Bon, on leur fait des dégâts aussi, mais on en reçoit. Donc c'est un petit peu dommage, quoi. Ah mince, c'est vrai que lui, il envoie rien. Non, annulation. Et... Ah oui. Et ça lui fait des dégâts aussi au Goomba quand il attaque comme ça. Attendez, on va y arriver ou pas? Ouais, on est déjà presque contre le chef, donc c'est bon, on va y arriver, je pense. Enfin, ça n'aura pas été un truc aussi simple que je le pensais de base, en fait. Ah mince, on a loupé le truc spécial. Je rate toujours les trucs spéciaux avec les ennemis volants. Enfin, les trucs spéciaux, plutôt. Vas-y. Ah, c'est chaud les ennemis volants. Hein. Je m'en doutais pas, mais... Enfin, les ennemis à pic. C'est un petit peu chaud, en fait. À mon avis, c'est les ennemis... Enfin, faudrait des ennemis à distance pour les avoir. Enfin, les ennemis à distance, le problème, c'est que... Bah,
Non, je pense pas que ce soit les ennemis à distance qui faillent. Ah, j'en sais rien. Bon, c'est parti pour la loterie. XP accru, yes. Ça tombe bien, parce que les persos volants, ils sont pas oufissimes, donc... excellent. Blocage, yes. Ouf. On va pas faire ce blocage-là. Enfin, j'aurais peut-être dû, mais... Ouais, parce que là, on est un peu en train de se faire ratatiner, non? Qu'est-ce qu'il fait? Attaque augmentée, mince. Il a combien de persos encore en vie? Ah oui, il a beaucoup de persos encore en vie. On va perdre, là, hein. Oui, on va perdre, hein. Ouais, j'aurais peut-être dû faire un blocage. Non, blocage. Vas-y, le coup pas. Yes, esquive augmentée, ça c'est cool. On va peut-être gagner, ça dépend. Ça dépend. Ok, parce qu'il a plus de vie notre perso, donc faut vraiment qu'il esquive tout. Blocage. Non, blocage, je peux plus faire de blocage, mince, je suis mort. Oh, je suis pas mort. Ah, je suis mort. Mince. Ah, c'est dommage, j'avais un bonus d'XP. Mais comment on peut faire? Je comprends pas. Parce que... Des comme ça, peut-être, un petit peu. Pas beaucoup, mais un petit peu de bruit insecte, ça pourrait changer la donne. Hein. Parce qu'il faut pas leur sauter dessus. Donc ça veut dire qu'il faut pas envoyer de Goomba. Mais les bruits insectes, peut-être qu'ils pourraient changer la donne, là, avec... Vu qu'ils leur sautent pas dessus, et qu'en plus, les bruits insectes, ils ont beaucoup de défense, normalement. On va voir. Je n'en sais rien. Là, le problème, c'est que les bruits insectes, ils vont pas attaquer les bons, en fait. Non, c'est que ok. Mais les bruits insectes, ils attaquent pas ceux que je voulais. Blocage. Allez, super. Non, blocage. J'ai l'impression qu'on s'en sort encore moins. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression qu'on s'en sort encore moins pour ce combat. Ouais, on s'en sort encore moins bien. Bon, il y a aussi un autre problème en jeu. L'autre problème qu'il y a, c'est que... Bah en fait, mes persos, ils ont quand même un niveau beaucoup moindre. Mince. Est-ce que je peux y arriver quand même? Ouais, en bloquant peut-être. Je peux arriver quand même ce combat, mais le suivant, je sais pas. Hein. Je pense pas. Hein. Parce que le bout, il va prendre des dégâts quand il va attaquer le petit hérisson, là. Il va prendre des dégâts, donc... Bon, il va le tuer quand même. Enfin, ça dépend s'il arrive à l'attaquer ou pas. Ça me fait peur, là. Ok, non, on a perdu. Ah ouais, c'est chaud. Faut peut-être que je fasse XP mes persos. Ah, c'est fou, ça. En faisant XP cette équipe? J'en sais rien. Ça me paraît même pas être suffisant, ça, en fait. S'il y avait des tireurs dans le coup. Les tireurs, ils sont derrière ou ils sont devant? Je sais pas si les tireurs, ils vont derrière ou devant. On va essayer comme ça. On va essayer. Surtout qu'on est niveau 14 de formation, donc peut-être... Ils sont où les tireurs? Les tireurs ils sont derrière, c'est bien. C'est bien. J'en sais rien, je sais pas du tout. On va voir, je suis un petit peu perdu. Non, blocage. Parce que là bien entendu les unités de sol sont très fortes contre les tireurs. Mais au moins les tireurs ils peuvent faire quelques dégâts sans trop de problème. Ouais, mais attendez, bon, on s'est déjà fait laminer quoi. C'est le début du combat, on s'est déjà fait complètement laminer. J'ai déjà utilisé je sais pas combien de blocages en plus. Non, on va perdre, on perd. Ouais, il y a un gros souci en fait. Il y a un gros souci là, il y a un truc. En fait, le problème c'est que bon, il y a des ennemis à pic, ok. Mais ils m'ont pas dit comment battre les ennemis à pic. Ils m'ont pas dit quel était le problème. Faut peut-être plus d'ennemis à distance. Hein. Ah oui, non, c'est un chef, j'avais oublié ça. Avec peut-être plus d'ennemis à distance. Comme ça, faudrait équiper les ennemis volants. Bon, on va voir ça. Si c'est pas ça, j'en sais rien du tout. Si c'est pas ça, j'en ai absolument aucune idée. Si c'est pas ça, faudra que j'XP cette équipe. Hein. Parce qu'en plus, on est niveau 15 de formation, donc bon... Donc là, c'est dire qu'on a largement le niveau, en fait. Blocage. Ah mince, non, allez. Ouf, super. Non, blocage. Non, on se fait laminer. On se fait complètement laminer. Bah oui, c'est normal qu'on se fasse laminer. Des tireurs contre des unités volantes, c'est obligé. On peut pas y arriver. Et la loterie, il peut pas ramener mes persos à la vie. Non, mais c'est pas suffisant là. C'est pas. Non. Bah, je sais pas du tout. J'en ai absolument aucune. Je sais pas.
J'essaye une autre formation, mais il y a aussi un problème avec ma formation, c'est que j'ai pas mal de mes persos, en fait, qui est surtout les persos volants, qui attaquent au corps à corps. Et donc, comme ils attaquent au corps à corps, bah, ils reçoivent des dégâts, même avec les hérisses. Donc, c'est ça aussi qui est un petit peu un problème, en fait. Voyons voir la loterie. Voyons voir la loterie, qu'est-ce qu'elle me donne. Oh non, pauvre bruit insecte. Notre défense diminuée, c'est bien, mais j'aurais peut-être dû faire ça dès le début, en fait. Bon, tant pis, c'est trop tard. Et on va, on a diminué leur défense, mais malgré tout, je suis pas sûr qu'on y arrive. Ok, quand sa défense est diminuée, on va y arriver. Mais là, le problème, c'est que j'aurai rien. J'aurai plus rien pour la suite. Enfin, ce que je veux dire, c'est que j'aurai deux PC, quoi. Donc, au niveau, je peux plus utiliser la loterie. Je peux utiliser que deux blocages, quoi. Donc, ça me paraît chaud, hein. Ça me paraît très chaud. Allez, les bruits insectes, occupez-vous de cela, blocage. Les bruits insectes, j'ai l'impression qu'ils reçoivent pas de dégâts quand ils attaquent les machins là. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ah si, ils en reçoivent quand même, non? Je sais pas. Je sais pas. Ah là, ça me paraît mieux se passer. Ça me paraît un petit peu mieux se passer. Donc qu'est-ce qu'il fait là? Ah, il donne des... j'ai pas beaucoup d'unités d'assaut, donc... Enfin, j'en ai quand même quelques-unes, donc c'est un peu embêtant, mais... ça pourrait être pire. Ok. Bah là, je peux rien faire, hein, malheureusement. Bon, on va y arriver quand même. On va y arriver quand même. Enfin, on va arriver cette phase. Je sais pas du tout pour la suivante. Hein. Il l'a tué, mince. Vas-y, toi. Ok. Allez, attaque-le. Normalement, c'est pas bien compliqué, là. On est sûr de gagner. Ah bah, ah. Il m'énerve à faire ça. Pourquoi il arrive toujours à faire son attaque spéciale et moi, je la fais jamais? Il me la propose jamais. Par contre, ils ont beaucoup d'attaques, les hérisses, hein, c'est chaud, hein. Vas-y, petit bout. Vas-y, ouais, augmente ton esquive si tu veux, mais de toute façon, en un coup, tu l'auras tué, je pense. Donc, Quoi? Sérieusement? Mais c'est quoi cette histoire? Pourquoi j'ai pas attaqué avant? Bon, je regarde mes vies, mais c'était chaud, hein. C'était un petit peu chaud. Bon, allez, on regarde nos vies, et là, est-ce qu'on va y arriver? Je peux pas faire de loterie, hein, j'ai que des blocages. Ah, là, ça sera peut-être un petit peu plus facile. Parce qu'il y a moins d'ennemis qui nous blessent, en fait. Qu'est-ce qu'il fait? La loterie? Ah non, la harangue. Oh, il les rend super puissants. Allez. Bah là, je peux plus faire de blocage. C'est fini. Malheureusement. Bon, maintenant, faut croiser les doigts. Oh là 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 là. En plus, les... Eux, comme ils ont le moral en haut, ils font que de faire des attaques. Hein. Enfin, que de faire des super attaques, c'est chaud. Je vais y arriver, là, non? Je suis parti pour y arriver, là, non? Je crois que je suis parti pour y arriver, là. Mais oui! On a battu tout le monde, ouf! Oh là, je suis rassuré. Ça n'aura pas été un combat facile, mais je suis rassuré. Bon, là, c'est pas grave, hein. Autant finir maintenant. Hein. Bon, comme il a beaucoup de défense, ça prend plus de temps que prévu, mais ça peut pas... Enfin, on peut plus le perdre, là, je pense. Hein. Vas-y. Ok, super. Très bien. Bon, c'est gagné. Malheureusement, on n'a pas le bonus d'XP, parce que bah, j'ai perdu au moment où on avait le bonus d'XP. Mais ouais, donc fallait bien des unités au sol, ça me paraissait trop simple d'avoir que des unités volantes et de gagner. Allez, revoilà. Bonjour. C'est pas vrai, on l'a perdu. Non, mais c'est un truc de fou. Dame Wendy a juste trop la classe, quoi. Et en plus, elle nous a proposé de participer à son concours. Vous y croyez, vous? C'est clair que là, c'est genre total démentiel, quoi. C'était quoi, déjà? Un concours de beauté, non? Mais où il faut se battre? Eh... Elle a dit que l'équipe la plus forte et la plus mignonne l'emporterait. Trop classe. Sans compter qu'il y aura plein de sbires de Bowser. Moi, c'est clair, je m'inscris direct. Ok, d'accord, bon. Un concours, tiens donc. Donc, ça veut dire qu'on va se combattre contre ces petits bonhommes. Enfin, ces petites filles, là, je ne sais pas. J'ai appris devine qui c'est. C'est quoi, devine qui c'est? Attendez, voyons voir. Devine qui c'est. Attaque le capitaine adverse par derrière. Risquez contre les unités auxquelles vous êtes vulnérable. Ah oui, ça c'est une attaque qui a l'air cool. Bon, alors, donc là il y a des volants et des au sol. Donc ça veut dire qu'il faut des volants et des tireurs, quoi, tout bêtement. On va utiliser lui, tiens. Même s'il a pas trop le niveau, mais bon, on va l'utiliser quand même. On va voir ce que ça donne. Ça me paraît cool comme ça. Je crois que les unités de tir, elles sont derrière, non? Enfin, j'espère. Ouais, elles sont derrière. Ouf. Parce que sinon, c'était mort. Hein. Sinon, c'était perdu. Allez. Allez-y. Blocage, si tu veux. Allez, allez, allez. Très bien. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Excellent. Attaque augmentée. Yes!
Ah, il est ouf ce perso. Ah, c'est cool. Parce que là, maintenant, le combat va être éclair. Hein. Est-ce qu'on va réussir à tuer tout le monde? Ça, je suis pas sûr. Non, non, on fait pas un blocage de plus. Oh, j'aurais pu. On va faire une loterie. J'aimerais bien avoir l'XP. Ah mince, l'attaque est augmentée. Bon, dommage. J'aurais bien voulu avoir l'XP en plus, tant pis. Parce que là, maintenant, il n'y a plus qu'un seul ennemi. Donc, bon, c'est pas très utile d'avoir, de faire plus d'attaques. Mais bon, tant pis, c'est comme ça. Hein. Allez, c'est bon. Très bien. Gagné, parfait. Devine qui c'est. C'est pas une attaque que je ferai souvent parce que j'ai pas beaucoup de PC en fait. Donc. Allez, allez-y. Ah, c'est la bataille finale, déjà. Ok, en fait, c'est rapide, là. Loterie. Yeah, attaque diminuée. Super. Bon, allez-y. Normalement, ils vont pas nous faire bien mal. Allez, j'aurais préféré leur diminuer la défense, mais bon, c'est aussi bien. Hein. Excellent. Yes. Attaque augmentée. Ouf, ça, c'est cool. Parce qu'attendez, j'ai beaucoup de persos qui sont morts, là. C'est un petit peu chaud, là. Non, mais on va y arriver quand même. Blocage. Vas-y, attaquez-le, lui. Non, non, tuez-le avant l'autre. C'est bon. Ok, ouf, j'ai eu peur. Bon, je peux plus faire de blocage. Qu'est-ce qu'il fait? Ok, d'accord, il rebondit sur le sol. Je pensais qu'il allait nous envoyer plein de iris, mais non, d'accord, il rebondit sur le sol, pourquoi pas. Bon, c'est bien, là, on y est arrivé du premier coup. C'est cool. Ça dépendait vraiment de la position, hein. J'avais oublié qui était devant et qui était derrière. Ah, Lakitu nous rejoint, yes. Enfin, j'en ai déjà des Lakitu, mais c'est cool. Parce qu'il a plus de niveau, le Lakitu d'avant. Il est niveau je sais pas combien, mais il est totalement en arrière. Alors, 15, 16 et 16. Alors, donc là, il faut qu'on ait des unités, donc tireurs, et des unités de vol. C'est la même chose, en fait. Ah non, 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 il faut qu'on ait des unités de sol et des unités tireurs. Non, des unités de sol et des unités de vol. Ok, donc allons-y. Ok. Et je pense que je vais mettre le chef Goomba. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça me paraît cool comme ça. Allons-y, voyons voir. Je sais pas si c'est la bonne, mais on va voir ça. Oh, c'est qui lui? Ne détale pas la pinou de mon cœur. Ne t'éclipse pas, soleil de ma vie. Oh. Lâche-moi les basques. Mais pourquoi il y a étoile d'or? Feu fi super beau avec fait des fois à Fion. Fais foi fait fur, veut ferrer à far un con veut fait. Oui, si tu le dis. D'accord. Elle est trop mignonne cette petite étoile. Oh, lapinou, mon lapinou! Les gars, c'était pas un bonbon qu'elle avait sur sa coquille, la grosse bestiole? Si, un bonbon, mais un truc jaune et rond. Et là, la bande d'hétéroclites de braves et belliqueux gaillards. Vous tombez à pic, vous devez sauver mon lapinou d'amour! Mais c'est qui son lapinou? Essayons une autre approche. Tout le monde s'en moque de ce qu'il dit. Je me présente, je suis Astéry l'étoile de mer. Ce fourbe sournois de Krustasov 3 a arraché mon adoré à mon étreinte passionnée. Vous croyez qu'il s'attend à ce qu'on l'aille la sauver? On dirait bien. Mais il le faut, je vous implore à genoux. On s'en fiche de ton lapinou d'amour, chacun ses problèmes. Mais pas question de laisser un bobon dans le pétrin. Tu veux vraiment perdre du temps pour un bobon de rien du tout? Peu importe qu'il soit petit, c'est un sbire comme nous, pas question de l'abandonner. La pauvre petite étoile dont tout le monde en a rien à faire. Mais elle est trop mignonne, cette petite étoile. Enfin, genre, on dirait que c'est une rockstar d'ailleurs. Allez, c'est parti. Bon. Ouais, mais j'imagine que quand on les attaque, on prend des dégâts, non? Y'a moyen, hein. Pourquoi ils nous envoient des petits cœurs? C'est trop bizarre. Mais attendez, arrêtez là. Loterie, sinon on va perdre, hein. Défense diminuée, très bien. Allez. Ouais, parce que là, je suis sûr qu'ils prennent des dégâts, nos persos. Ça m'étonnerait pas. Mince. On n'a pas bloqué à temps. Attendez, mais on va perdre, là. On a carrément perdu, en fait. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il augmente le moral, d'accord. Il fait une harangue. Ouais, blocage. Non, on n'a pas forcément perdu. On n'a pas forcément perdu. Surtout qu'on lui fait beaucoup de dégâts, là, celui qui est devant, donc... Mais j'ai pas choisi quand même de bon truc. Hein. Je pense que mon équipe, elle était pas ouf. Non mais attendez, mais il va me le tuer là, mon petit bruit insecte. Yes. Ok, très bien. Non, je suis pas sûr d'avoir choisi une très bonne équipe. Hein. C'était pas l'équipe qu'il fallait. Vas-y, attaque. C'est bon. Il est mort. Il y a combien de phases? Parce que ça change tout ça. S'il y en a encore une, c'est bon, on a peut-être gagné. S'il y en a deux, c'est chaud. Ah mince, on a deux. Parce que je présume que la première phase était la plus facile. Ah ouais, d'accord. Ok, là il y a des tireurs.
Oh, il m'énerve à m'empêcher d'utiliser mes attaques, là. Allez. Ok, ben oui, il prend des dégâts quand il attaque comme ça. C'est pour ça qu'il faudrait peut-être des tireurs, en fait, en plus. C'est chaud, hein. Bon, on peut y arriver. On peut y arriver, je pense. Qu'est-ce qu'il fait? Mince! J'ai 2 unités d'assaut, donc c'est chaud. Ça me fait pas du bien, ça. Je dois l'avouer. Vas-y. Oh là là, on va perdre, hein. Blocage. On n'a pas encore perdu, hein. Eh ouais, on a peut-être perdu, là, je crois. Parce qu'ils ont perdu aucun PV. Ok. Mais c'est des tireurs, les étoiles, donc... Il y a moyen que... Non, on n'a pas perdu. On n'a pas perdu. On va y arriver. C'est un tireur, donc... On lui fait beaucoup de dégâts. Il n'y a pas de problème. Bon, là, je peux pas le bloquer, malheureusement. Qu'est-ce qu'il fait? Oula, il m'a fait mal, hein. C'est pas grave. Yes! On lui a fait encore plus mal. Vas-y, attaque, plus vite. Voilà, super. Bon, la dernière phase. Je ne sais pas si on va gagner ou pas, hein. Faites vos paris dans les commentaires, mais j'ai un petit peu peur. Surtout qu'on a que 2 PC, donc on va utiliser la loterie. Bon, c'est la même chose, en fait. C'est la même chose, donc ça m'a pas l'air si difficile. Il y a peut-être un peu plus de tireurs, par contre, pour le coup. Yes, super. Défense augmentée, ça tombe bien. Non, blocage. Vas-y. Qu'est-ce qu'il fait, là? Ah, le moral augmenté. Mince, comme ça, ils vont pouvoir utiliser plus de pouvoir spécial. C'est pas cool. Oh là 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 là. Ok, c'est bon. Comme il avait sa défense augmentée, ça lui a fait moins de dégâts que ça n'aurait pu. Allez, tue le Poki. Non, je peux plus faire de blocage, mince. Ok, là, je pense qu'on a perdu, quand même. Là, ce serait chaud qu'on gagne. C'est pas impossible, mais ce serait quand même un petit peu chaud. Enfin, c'est vrai qu'on est rapide, mais bon... suffisamment rapide, j'en doute. Puis en plus, il a toujours son pouvoir spécial, lui. Ouais, il a toujours son pouvoir spécial. J'aurais dû me garder un blocage. Parce que là, lui retirer toutes ses vies... Bah non, 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 il va me tuer, là. Mince. On était pas loin, hein. On était vraiment pas loin. C'est embêtant, les unités qui ont des pics. Ça change toute la donne, en fait. C'est chaud. Ça fait que le corps à corps, en fait, ça marche pas trop. Sauf si on utilise des bruits insectes au lieu d'utiliser des Goombas. Je pense qu'utiliser des bruits insectes à la place des Goombas, ça fait totalement l'affaire. Il faudrait aussi utiliser des unités qui évitent d'attaquer trop au corps à corps, mais malheureusement, elles attaquent un peu toutes au corps à corps, les volantes. Il n'y a pas le choix, en fait. Les volantes, elles attaquent forcément au corps à corps. Je devrais peut-être... Bah, j'ai pas de bruit insecte de plus, en fait. C'est le max que j'ai de bruit insecte, donc on va essayer comme ça. Si ça marche pas comme ça, ça veut dire qu'il faudra peut-être que j'aille rechercher des bruits insectes. Ça sera peut-être ça la solution. Bon, allez, vas-y. Enfin, allez-y. Allez. Ouais, là, je le sens bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je le sens bien, là. Puis, je vais pas utiliser ma loterie dès le début. C'est un peu bête, je trouve, en fait. Vas-y, blocage. Très bien, excellent. Vas-y, il est protégé. Allez, allez, qu'est-ce qu'ils font là? Harangue? Ouais, bon, c'est pas grave, c'est pas grave. On peut y arriver, on peut y arriver. J'en ai utilisé 2, c'est largement suffisant. Ok. Attendez, mais on va peut-être pas y arriver là non plus. Blocage, ouais, j'avais fait plus de blocage que je pensais, mais sinon j'allais perdre mon bruit insecte, donc c'était un petit peu chaud. Ok, il est pas mort lui, mais bientôt. Bon, on va y arriver, je pense. On va y arriver, mais pas simplement. Ça dépend s'il fait son pouvoir spécial ou pas. Non, même s'il fait son pouvoir spécial, je pense qu'on y arrive. Vas-y. Vas-y, petit Goomba. Bim. Une dernière fois. Une dernière fois. Allez, Goomba. Ouais, bon, si tu veux faire l'attaque spéciale, c'est pas grave. C'est très bien aussi. Bon. Gagné. Parfait. On a battu tous les ennemis. Maintenant, on passe à la phase suivante. Et si on arrive... Oh, un Poké va nous rejoindre. Si on gagne. Si on gagne. Alors là, j'ai peut-être trop d'unités volantes aussi. J'y pense. J'ai peut-être trop d'unités volantes. Hein. C'est peut-être pas la solution d'avoir autant d'unités volantes, mais c'est... Je peux pas faire autrement. Parce que j'ai pas assez de bruit insecte, en fait. Il faudrait plus de bruit insecte. Parce que je peux pas avoir des Koopas. Enfin, je pense pas que je puisse avoir de Koopas. Enfin, de Goomba. Non. Attends, les loteries. Vas-y. Défense augmentée. Très bien. Bah, j'aurais peut-être dû faire ça plus tôt, mais bon. Ça va peut-être quand même me sauver la vie. Non, non, non. Pas grave. Ah mince. Je suis pas sûr qu'on arrive à faire cette phase. Ah parce que maintenant là il y a la harangue. Ah ouais. Ah non, dégâts d'assaut, je croyais que c'était la harangue.
Mais attendez, s'il me fait des dégâts d'assaut, c'est mort pour moi, hein. Ah, c'est mort, c'est mort. Faut que j'aille chercher des bruits insectes. J'essaye avec une nouvelle formation. Je me dis que peut-être, avec les unités de tir, ce serait un peu mieux, parce qu'en fait, je crois que c'est trompeur. J'ai l'impression, par rapport aux autres combats que j'ai fait, que finalement... Attendez, les bruits insectes, ils prennent des dégâts? Non, ils prennent pas de dégâts en attaquant les Poki. Il me semble bien qu'ils prennent pas de dégâts. Je pourrais pas en être sûr, mais... J'ai l'impression qu'ils prennent pas de dégâts, quand même. Mais bon, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que là, en fait... mince, j'ai utilisé un blocage pour rien. Enfin, bon, c'est pas grave. Mais en fait, je me dis que... Avoir des tireurs, ça pourrait être bien, parce que les tireurs, justement, ils peuvent faire des dégâts aux unités de terrain, de sol, sans les toucher. Donc, bah, je crois que j'ai fait le bon choix. Parce que là, ça a l'air d'être plutôt pas mal, en fait, ce qui se passe. Je sais pas si finalement c'est le must, mais ça a l'air pas mal. Même si finalement les tireurs font pas énormément de dégâts aux unités de sol, et bah ils sont derrière. Donc en fait ils peuvent faire des dégâts, pendant ce temps ils n'en reçoivent pas. Donc ça me paraît pas plus mal. On va voir. Hein. Mais je sais pas si j'ai pas gagné pour le moment, hein, je vais pas te dire ça. Mais ça m'a l'air de plutôt bien se passer. Donc ouais, je crois que les bouillis insectes prennent pas de dégâts quand ils attaquent des ennemis à pic. Ça doit être à cause de leur carapace. Qu'est-ce qu'il fait là? Il fait une loterie à toutes les unités d'assaut. Mince. Mince, ça tombe plutôt mal. C'est plutôt un coup de malchance, on va dire. Bon, ça me condamne pas, mais je pense que je vais y arriver quand même. Je pourrais faire la harangue en plus au prochain combat, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, je vais plus le bloquer lui. Je vais pas le bloquer. Parce que ouais, on le bat quand même en l'ayant bloqué. Donc ouais, okay, ça dépense vraiment énormément de la formation qu'on a, quoi. C'est incroyable. C'est incroyable quoi, ça change tout. Je sais pas si ça change quelque chose que j'ai mis le Goomba à la place du Koopa, mais comme le Koopa il avait l'air... Enfin quand, non, que j'ai mis un Maskas à la place du Goomba, mais le Maskas il avait besoin d'augmenter un peu de niveau, donc dans tous les cas je l'ai mis. Bon, allez, c'est parti pour une harangue. Allez, c'est parti. J'utilise jamais renfort, j'ai pas l'impression que c'est aussi fort que ça, renfort, mais bon, je ne sais pas. Bon, allez-y. Ok, très bien, plus de défense, ça tombe pas plus mal. J'aimerais bien que ce soit mes unités de tir aussi qui puissent utiliser leur pouvoir spécial. Bon, elles ont pas l'air de vouloir. Qu'est-ce qu'il fait là? Ah, il va faire une harangue, non? Il y a moyen. Ouais, il fait une harangue. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Allez, ok, on le bloque. Je le sens bien là, moi je le sens très bien. Ouais, on le bloque lui aussi. Je sais pas si on va réussir à tuer tout le monde, c'est pas sûr ça. Mais Ouais, si, ok, on a réussi à tuer tout le monde. Bon, bah les gars, voilà, il en restait plus qu'un et on l'a eu, ouf. C'est vraiment assez compliqué, hein. C'est vraiment complexe, ce jeu. Faut tout réfléchir et bah c'est vraiment, comment on dit, l'expérience par l'erreur, quoi. Enfin, par l'échec, parce qu'on est obligé de perdre plein de fois pour avancer. Et toi, lâche ce babon, mais plus vite que... Ça commence à bien faire. Lâche-moi immédiatement. Bonjour, étoile d'or, ouh. Étoile d'or normalement est super puissant, donc bon. Aïe ouille, fa fufi, fa le petit fef boufouflé. Fais pas fin fa, fuf clair, fa fufu faire mal. Le pauvre. Lapinou, tu es saine et sauve. Viens me faire un câlinou d'amour. Je sais pas ce qu'ils ont tous aujourd'hui, mais toi tu décroches la palme. Je suis pas ton lapinou, faut te le dire en quelle langue. Oula, c'était assez terrible. J'en ai plus qu'assez de vous tous. De qui? De nous? Mais on vient à peine d'arriver. Elle va nous rejoindre? On s'en fiche, je vais aller essayer de profiter de ce qu'il reste de mes vacances. D'autant qu'il paraît qu'il y a un concours de beauté organisé sur la plage. Et si je participais, je devrais pouvoir gagner sans trop me fatiguer. Ouais, bien sûr. Bon, malheureusement, elle nous rejoint pas. La boule jaune, là, on devrait peut-être la recruter. Elle a l'air débrouillarde, non? Puis elle est mignonne, et sûrement très maligne. Fausse bonne idée, en fait. C'est pas le moment de compliquer les choses. Bien dit, capitaine. On est d'accord. Oh, c'est dommage, moi j'aurais bien voulu être ami avec Étoile d'Or. Bon, tant pis. Alors, on a un Poki, ça me l'air pas mal, sa communauté, le Poki. Et alors là, oulalalalalalala, oulalalalalalala. Le Poissac Doré remet ça, et là, Corée Brutale, ça m'a l'air chaud. Donc écoutez, là en fait, on va avoir besoin de tireurs et peut-être d'unités volantes, mais c'est même pas sûr en fait. Parce qu'il y a un tout petit peu d'unités... Attendez, ça pourrait être pas mal. Ouais, si, on a quand même besoin d'unités volantes, je pense. Peut-être pas beaucoup, mais quelques-unes, ça pourrait être pas mal. Peut-être comme ça peut être bien, non? Est-ce qu'on met bout ou pas? Ouais, on met bout.
Attendez, ah mince, mais j'ai plus de tireurs maintenant. J'ai plus de tireurs. Donc on va remettre quelques tireurs. Pas énormément, mais juste quelques-uns, histoire d'eux. Et là, on va voir. Mais alors, ce niveau me paraît quand même un petit peu complexe. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon. Oh ! Ok, on enchaîne. 1, 2, 3... Yeah ! C'est leur formation, c'est ça ? Ok, on enchaîne. 1, 2, 3... Yeah ! Ok, et maintenant, le grand final. La roue ultra ultime du scintillement suprême. Ça scintille pas beaucoup, mais ça a l'air cool quand même. Super, génial, c'était parfait les gars. Eh mais Goomba, c'est toi? Il s'appelle Goomba, c'est vrai. Parapuné, qu'est-ce que vous fabriquez? Comment oses-tu espionner la formation Parapuné pendant son entraînement secret? Si c'est vraiment un secret, il faudra penser à baisser un peu la voix la prochaine fois. Une seconde, vous allez participer au grand concours de maîtresse Wendy? Non, sûrement pas. Merveilleux, un participant supplémentaire. Mais attention, la beauté ne fait pas tout dans ce concours. La force est tout aussi importante. Formation, c'est le moment de prouver que notre entraînement secret a porté ses fruits. À l'attaque! Ok, d'accord, on se combat contre Parapuné. Alors, j'ai mis le tireur ou pas en chef? Non, j'ai même pas mis le tireur en chef, je crois. Non, j'ai mis un volant. Bon, c'est pas grave, volant contre volant, ça va aller. Allez. Non, malheureusement. Bon, je pense qu'on peut y arriver quand même. Ce serait bien d'avoir un peu plus d'attaque spéciale là quand même. Blocage quand même, ce serait cool. Yes, excellent. Attendez, on y arrive là ou pas? J'ai pas l'impression qu'on y arrive. J'ai l'impression qu'on est quand même un petit peu bof. Parce que les volants ont attaqué ceux qui sont au sol, c'est ça le problème en fait. Non, on va y arriver. On va y arriver quand même. Allez, super. Ouais, ok, on arrive la première phase en tout cas. Mais la première phase, c'est pas tout. Bon, c'est pas grave. Hein. Vas-y, fais ton attaque si tu veux. Lui, c'en est un de sol, donc c'est pas très important si t'arrives à le tuer. Allez, allez. Du nerf, les petits piranhas trotteuses. C'est bon. C'en est fini du coup pas. Je pense que Parapuné va nous rejoindre, non? Il ouais, y a moyen que Parapuné nous rejoigne à la fin. Alors. Oh là là, il y a 4 combats. Ah, c'est chaud, ça. C'est vraiment un truc d'endurance, là. Hein. Carrément. Bon, allons-y. On peut utiliser la loterie. Allez, voyons voir qu'est-ce qu'on a. Précision, ok. Ça va peut-être faire que le combat va être un petit peu moins long. Allez-y. Le Poki, je l'aime bien. Il est cool. Non, blocage. On va faire qu'un seul blocage. Ouais. Surtout qu'il va prendre des dégâts en attaquant. Ouais, il a reçu des dégâts, c'est cool. Mais qu'est-ce qui se passe là? Attaque augmentée. Mince, ça c'est un petit peu mauvais. C'est un petit peu mauvais pour moi. Surtout que j'ai quand même... Ouais, il a quand même plus d'unités en vie que moi. Ouais, ça va bientôt se retourner, je pense. Non, c'est pas grave. Ok, ouais, on va y arriver. On va y arriver. Parce que là, on a des tireurs contre le volant. Ouais, c'est bon. Il reste plus beaucoup d'unités. Je pense qu'on va se recharger un peu au combat suivant. Histoire de pouvoir utiliser je bafouille. Histoire d'utiliser un peu la loterie sur le final. Ça pourrait être cool. Bon, allez-y, les tireurs. Hein. Vous avez... Tireur contre tireur, c'est bon. Hein. Il a beaucoup de vitesse, ce truc-là. Hein. Allez! Un dernier coup. Non mais... Oh, ça prend son temps. Allez-y, un dernier coup. Mais qu'est-ce qu'ils font? Mais allez-y, un dernier coup, là, c'est bon. Un seul coup. Ok, je me disais, je vais jamais attaquer, là. Attendez, j'étais en train d'attendre depuis une éternité et ça n'arrivait pas. Bon, alors, on fait un blocage, pas plus. Pas plus d'un blocage. Ça m'a l'air pas mal, ce combat. Ça m'a l'air plutôt cool. Ah oui, bah, sauf que s'il y a une harangue, d'un coup, le combat qui me paraissait facile, l'est un petit peu moins. Ok, blocage. Blocage, allez. Attends, je ferai plus de blocage, malheureusement. Bon, enfin, si c'est un volant contre une unité de tir, c'est pas très important. Un volant contre un volant, allez, bon, si vous voulez. Oula, ils ont réussi à me tuer l'une de mes unités de tir, c'est chaud, ça. Non, bon, on va y arriver quand même. Ok, ah, c'était sur le bruit insecte, je pensais qu'il le faisait sur le Poki. Ok, bon là de toute façon il n'y en a plus qu'un, donc on va y arriver, on va y arriver. Comme ça on pourra réutiliser la loterie. Oh c'est cool, je sais pas à quel moment faut utiliser la commande action, mais c'est cool. Allez-y, attaquez-le une fois, voilà, c'est bon, ils ont compris. Gagné, parfait. Et donc là, dernière bataille, on va gagner 2 PC. Je vais utiliser la loterie et j'espère que la loterie va pas me redonner des PV, parce que c'est quand même bête que la loterie me redonne des PV au début du combat, ce serait quand même ultra nul. Allez. Précision, ok, très bien. Maintenant, faut plus utiliser que j'utilise le blocage. Parce que c'est peut-être possible que la fin, ce soit
le bout contre Parapounet. Donc si c'est le bout contre Parapounet, eh ben il faut pas que, enfin il faut que j'ai gardé un blocage pour lui. Allez, attaquez un peu là. Ah mince, même pas réussi. Ouais, là on galère un petit peu là, on galère un peu plus que je le pensais. En même temps, je les laisse à chaque fois utiliser leurs attaques, donc c'est un petit peu mauvais ça. Et bim, il est mort. C'est bon, il reste plus que Parapounet. Non, Parapounet va pas réussir à m'attaquer en 1 contre 1. Je pense pas. Allez-y, les petites piranhas trotteuses, vous pouvez le faire. Elles font tellement peu de dégâts. Wow, j'ai du blocage, allez. Bon, il y en a plus qu'une. Allez, allez, vas-y. Bim. Ah, il est rapide en fait. Il a beaucoup de vitesse, c'est pour ça qu'il arrive à attaquer souvent. Ah bah malheureusement, je pouvais pas le refaire. Elle est morte, vas-y. Bou contre Parapounet. Et voilà, un seul coup, et c'en était fini. Gagné, parfait. C'est dommage qu'on ait pas eu de bonus d'XP. Bon, enfin, si j'avais eu un bonus d'XP, j'aurais peut-être pas réussi le combat, en fait. Je serais peut-être mort. Oh. Ok, c'est décidé, je sais ce qu'on va faire. Croyez-le ou pas, on va se présenter au concours, même qu'on va le gagner. Quoi? Alors, vous nous mettez une toute petite trempe de rien du tout, et ça y est, vous vous sentez plus? Parapounet, tu es le bienvenu parmi nous si tu le souhaites. Hein? C'est vrai, je peux? Mais oui, tu peux. Bien sûr, on affrontera Maîtresse Wendy tous ensemble. Si on unit nos forces, c'est sûr qu'on y arrivera. C'est une très mauvaise idée, j'insiste fortement sur ce point. C'est vrai que c'est tout pourri comme plan. Arrêtez les gars, vous n'êtes pas sérieux aussi? C'est l'occasion idéale de récupérer Maîtresse Wendy. Mais si, c'est bien comme plan, vas-y Parapounet. Bien, maintenant que tout le monde est d'accord, on va passer à l'entraînement. Au combat, on se défend bien. Par contre, on n'est pas franchement des gravures de mode. Ouais, un peu d'entraînement nous fera pas de mal. Bah, si tu le dis. Vas-y. Qu'est-ce qui se passe là? Ah, il est pas d'accord lui? Bah si, ok, c'est bon. Bon, et eh bien, Parapounet nous rejoint. Eh bien, écoutez les amis, on va rester là pour cette vidéo qui sera un petit peu plus longue, je suis désolé. Mais j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien, n'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus, de commenter, de vous abonner. Et nous, on se retrouve très bientôt pour la suite. Donc d'ici là, portez-vous bien et à la prochaine les amis. Salut!